Aujourd'hui, ces rigolos sont enfermés dans une grande et une petite prison. Mais pourquoi sommes-nous dans la petite prison? Travaillons, libère-nous, mec. Pour sortir de prison, il faut gagner le défi. Celui qui gagnera, gagnera aussi 1000 euros, les copains. Raffario, on commence. Et comme on est dans une petite prison, on commence en premier. Allez, Dimo, on y va. Allez. Quelque chose de bon, j'espère que quelque chose de bon va tomber. Un couteau, les gars. Un couteau? Ouais, un couteau. Ne parle pas trop, carotte de chrono. Ah, allez, donne-le, c'est parti. Tiens, prends-le. Tiens, essaye. Donne-moi, je vais essayer. Allez, Dimon, tu peux le faire, frappe fort. Je pourrais. Allez, Dimon, allez, frappe. Je frappe assez fort. Raffario, c'est notre tour. Bien sûr, les gars, on y va. Allez, plus, encore. Allez. On peut avoir une personne, Raffario. Oui. Vous avez de la chance, la hache. C'est génial. C'est très cool, ouais, Raffario, merci, apporte-la. Tenez, commencez, c'est parti, les gars. Je vais frapper super fort. Allez, Stas, frappe, t'es le meilleur, le plus fort. Stas, le plus fort, Stas, le débile, mec. Allez, Dimon, frappe fort. Votre temps est écoulé, passe-moi le couteau, c'est terminé, donne-moi le couteau. Quoi, déjà? Ouais, on passe au prochain tour, c'est parti. Quelque chose de bien, s'il te plaît. Le marteau, les gars. Ouais, apportez-le. Dépêchez-vous et commencez. Je suis Vas-y, prête. Bravo. C'est coincé. Vas-y. Allez, gars, allez. C'est bon, donne-le-moi. Tiens, prends-le. Casse tes poings, ouais. Casse. Maria, bonsoir, vas-y, frappe plus fort. Je frappe fort, tu ne vois pas? Votre temps est écoulé, les gars, on passe au prochain tour. Les gars de boxe. Non, les gars, mais qu'est-ce qu'on va faire avec des gants de boxe? Voilà. Ne t'inquiète pas, Stas, Maria est forte. Dans une vie antérieure, j'ai des boxeuses super. Non, Maria, t'es une fille, comment tu peux casser ça? Stas, tu vas me voir en action. Attends, je vais trouver un moyen de le mettre, après je te montrerai. Mais j'y arriverai jamais, moi je te le dis, moi! Et Stas, tu veux que je commence par toi? Non, Maria! Alors tu vas voir pas trop d'abord! Laisse tomber, Maria, tu arriveras jamais, je te dis, moi! Allez, je vais y arriver! C'est à cause des gants, ils sont pas faits pour une professionnelle! Je suis habitué aux gants professionnels! Frappe plus fort, allez! Les gars, le temps est écoulé, le prochain tour commence! C'est parti! D'accord, allez. Pourvu que ce soit quelque chose de bon. Boisson énergisante. Super, c'est parti. Donne-le-moi, ouais. Tenez, prenez de l'énergie. Moi aussi, j'en veux, moi. Quoi? Tu veux? Donne-moi aussi, ne sois pas si radin. D'accord, bois un coup. Mais c'est moi qui bois d'abord. Donne-moi aussi, j'ai envie d'en boire. Chris, mais moi aussi, c'est moi qui commande, j'ai besoin d'énergie, c'est bon? T'es vraiment horrible, je te parle plus, c'est clair. Ne me parle pas, je m'en fous. C'est moi qui vais nous sortir de là. On verra. Maria, s'il te plaît, laisse-moi frapper un petit peu quand même. Ok, voyons ce que tu peux faire. Tu vas voir ce que je vais faire avec ce mur. Les amis, regardez. Oh, Stas, t'es si fort. T'es un athlète, toi. Moi, je suis Stas, le gros couillon. Allez, continue. Stas le fort, tu vas arrêter, non? Le prochain tour commence et c'est parti. Raffario, te feras jamais à Stas. Ne cherche pas Raffario. Non mais ne cherche pas Raffario. Ne te fous pas de Raffario, jamais. Tu le sais bien, donne-moi les gants ou tu resteras en prison pour toujours. Ne t'avise pas de refaire une chose pareille. Allez, on y va. Ouais. Mes amis, pendant que la roue tourne, abonnez-vous. 3, 2, 1. Abonnez-vous tout de suite! Eh bien, regardez, une perceuse, les amis! Super! C'est vraiment super! Mon but est de faire un trou! Allez, commence! Top chrono, allez! Je vais y arriver, vous allez voir! Je suis trop fort, je vais faire un trou tout autour là et ça va marcher! Vous allez voir, vous allez tout faire, je vais y arriver! Oui, vas-y! Wow! Ouais, les amis, personne, c'est ce qu'il nous fallait. On va gagner 1000 euros. Oui, je vais m'acheter plein de maquillage, les amis. De toute façon, c'est parti. Ah,
de l'énergie. Dimon, ton temps est écoulé. Place au prochain tour. Tiens, prends-le. Yo, Dimon, c'est dégoûtant. Tais-toi, en revanche, j'ai de l'énergie. Ouais, bon, elle n'en fait qu'à sa tête. Vous obtenez une pioche, les gars. Ouais. Donne-nous la pioche. Dépêche-toi. Et ton chrono, commencez vite, car les autres sont devant vous. Dépêchez-vous. Maintenant que j'ai bu du monster, j'ai beaucoup d'énergie, je vais les casser, regardez. Allez, on commence, d'accord, allez, vas-y, Dimon. Regarde, Chris, j'ai fait un trou dans le mur. Oui, on gagne, fais de ton mieux, allons-y. Allez. On va gagner, les gars, vous allez voir. Allez, ça continue. Votre temps est écoulé, rendez vite l'outil, vite. Et nous passons au prochain tour, ouais. Oh, la pelle, les copains, les perdants. La pelle, c'est mauvais. Je n'ai pas grave, variable. Si on s'y met à fond, on peut y arriver. Faire un super grand trou, je te jure. C'est pas mon problème, prenez-la et commencez tout de suite. Allez, ensemble, on est une équipe. Ouais. T'es prête? Ouais. Wow, c'est comme ça ensemble, c'est ça, tu vois, d'accord, bah, continue, t'aurais dû mettre tes chaussures plus lourdes, quoi, mais... On avance bien. Mes amis, regardez le trou qu'on nous a fait, quoi, mais maman, elle peut passer à travers, vous voyez, les amis, mettez un like, et pareil, celui que j'avais fait là, regardez, like et tout, je déconne. Mes amis, à votre avis, qui va gagner, la grande prison ou... la petite prison? Écrivez dans les commentaires, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas, parce que nous faisons beaucoup d'efforts pour vous. Nous faisons des vidéos de ouf tous les jours. Abonnez-vous par tous les moyens, mes amis, pour que nous continuions à avancer. Et on continue. Ok, c'est parti. Dimon, ton tour. Hey, Raphaël, quelque chose de bon, d'accord? Je suis fatigué. T'inquiète pas, Dimon, je vais prendre ta place. Une paire de ciseaux, les gars. Quoi? Des ciseaux? C'est la plus grosse arnaque du monde. Taisez-vous, prenez vos ciseaux et mettez-vous au travail. Vous aurez peut-être encore de la chance. D'accord, je vais commencer. Casse, dépêche-toi. Casse, j'en suis capable. Ouais. Allez, casse, je compte sur toi. Je suis très fatigué, allez. Oh, c'est très difficile de casser quelque chose avec des ciseaux, les gars. Allez, Stas, dépêche-toi, on n'a pas beaucoup c'est de fini, temps. C'est fini, c'est fini. Votre temps est écoulé, donne-moi la pelle. Donne-la-moi et on passe au prochain tour. Oh, c'est parti. Encore un objet utile et on gagne. Ouais. Oh, une cuillère, une petite cuillère. Plaisante. Voilà, prends-la, Stas. Maintenant, tu vas gagner à coup sûr. Maintenant, je vais pouvoir casser ça, mais comment je fais un truc avec une petite cuillère? Regardez ça. Ça marche pas, il ne sert à rien. Oh, mais tu arrives, il est déjà tout tordu. Regardez, maintenant c'est débile, comme moi. Tiens, j'en veux plus de cette merde. J'en ai marre. Allez, Chris, finis-le. Allez. Hop, stop. Votre temps est écoulé. Nous allons entamer le prochain tour. Allons-y. Ouais. Quelque chose d'utile, quelque chose de pratique. Oui, que les bonnes choses tombent. C'est une disqueuse, les gars. C'est parti, prenez-la. Allez, prenez-la. Les gars, on va faire un trou énorme avec ça. C'est parti, je commence. Yeah. On y va. J'ai oublié, j'allais vous dire, c'est bon, on y va. Quelque chose de pratique. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Une scie, les gars. Oh, super. C'est très cool, les gars. On va gagner ce défi avec ça. Regardez ce que je vais faire. Regardez, ça va être la bombe, regardez. Mais je vais scier comme ça. Et on va tuer. C'est quoi, on croit pas du pain? C'est parce que je suis fort, le plus fort. Ouais, je suis le connard. Allez, tu la tiens aussi. Continue. D'accord, c'est bon, encore un peu, ouais. On va y arriver, les gars. C'est bon, ça suffit, arrêtez, le temps est écoulé. Doucement, prends ton temps, parce que cette chose est très dangereuse. Donnez-la-moi. Ok, donne-moi quelque chose d'utile. Très bien, j'annonce le début du prochain tour, allons-y. Allez, quelque chose d'utile.
voulais quelque chose de bon, une banane. Une banane? Qu'est-ce qu'on fait avec une banane? Vous êtes fous? Donnez-nous quelque chose de bon. Oui, comment on va le casser le mur avec une banane? Prenez la banane. Et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que tu vas faire avec la banane? Tu ne sais pas quoi en faire? Moi non plus, je ne sais pas. Frappe, 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 frappe. Donne-moi. Rien ne se casse. La banane inutile, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Comment ça, une banane inutile? Donne-la-moi. On l'ouvre et on la mange. Tu es fou. Il a mangé notre banane. Et il nous devrait tout rien. Il n'y a plus rien. Rien est forte. Mais j'ai toujours voulu être une star. C'est pour ça qu'on sculpte une étoile dans le mur. Allez. Vous arrêtez, les gars, le temps est écoulé. Donnez-moi cet objet. Comment ça s'appelle déjà? Une scie, les gars. Et nous allons au prochain tour. C'est parti, les gars. C'est parti. On patiente. Il reste un petit peu, hein. Les amis, on est mal barrés. Nous avons presque rien fait, rien du tout. Je crois que ce n'est pas notre jour, mes amis. J'espère que nous aurons de la chance au prochain tour. Je veux tellement gagner parce que je vais partir en vacances après. Vous n'allez pas le croire, les gars. C'est quoi? Un pic de terrassier. Dépêche-toi, il ne reste plus grand-chose. Encore un peu et puis on gagnera. On sort et on abandonne les neurones. Il faut les perdants d'un pic morbon. Les perdants. Vous êtes des escrocs, les gars. On est dans une petite prison et on reçoit des objets inutiles, ça ne va pas. Oui, c'est pas juste. Voilà, les gars, commencez maintenant. Les amis, regardez comme c'est facile. Je vais percer ce mur et regardez, ça va être bien. Les amis, je peux sortir maintenant. J'y arrive pas là. Stas, on ne rentre pas là-dedans. Il faut qu'on casse un peu plus. Tu as raison, Maria. Il faut faire un petit peu plus loin. Comme ça. Ça suffit, Stas. Ouais, c'est bon. Aujourd'hui, les garçons seront dans une petite prison et les filles dans une grande prison. Celui qui sortira le premier de prison gagnera 1000 euros, les amis. Ouais, mais on est dans une petite prison et ce n'est pas juste. Mais bon, on est des mecs, on est costauds, une fois, on va les démolir. Arrête d'agir, mec. Ouais, je suis d'accord. On est des filles, mais on est plus intelligentes que vous. Exactement, on va utiliser notre intelligence, sortir ici en premier. Allez, enfin, on commence par nous, par les garçons. Non, nous cédons la place aux filles, c'est parti, allons-y. Alors. Oui, je me demande ce qu'on va avoir. Une pioche. Tenez, les filles. Merci, Rosario. C'est parti. Allez, Marie, allez. Oh mon Dieu, c'est si dur, Chris. Vas-y, plus fort. Oui, laisse-moi essayer aussi. Bien sûr, Chris, voilà. C'est parti, c'est mon tour. Raphaël, viens, c'est notre tour, allez, viens. Ouais, bien sûr, c'est parti. On veut que quelque chose de bientôt. Le pic de terrassier. Ouais. Apporte-le. Les amis, cet outil, on peut détruire beaucoup de choses. Et pendant que les filles se trouvent là-bas. Voilà. Laisse, donne-moi. Allez, donne-moi, je vais casser. Allez, non, c'est moi qui vais casser. Non, c'est moi. Ouais, vas-y, toi. Mais bien, vas-y, il est trop nul, regardez, ça va mettre deux plombs avec lui. Casse-le, comme ça. Les filles, votre temps est écoulé, passons au tour suivant, allez. Allez, en variant, c'est parti. Êtes-vous prêts? Stas, tu es déjà fatigué, donne-moi ça, laisse-moi faire. Un couteau, les filles. C'est bon, mauvais pour nous, Chris. Je ne sais même pas, je pense que c'est pratique. Pour être honnête, nous nous sommes entraînés à couper des pommes de terre, des carottes et d'autres chaises. J'espère qu'on peut faire quelque chose. Oui, on est des filles, on sait cuisiner. Allez, Fario, apporte. Mais attention, s'il vous plaît. D'accord. Chris, je pense qu'on peut aiguiser nos ongles. Qu'est-ce que t'en penses? On verra, oui. Viens, je vais voir. Oui, tu vois ça, Oui, on verra bien. Essayons de couper le mur maintenant, non? Oui, alors. Allez, commence, c'est bien, tu te débrouilles bien et nous ne faisons que commencer. Oh, c'est super. C'est bien. Écoute, Chris, si on continue comme ça, on sortira vite. Je vais essayer. Si, tu penses vraiment, toi? Attends, c'est mon tour. Chris, tu n'y arriveras pas, ça ne sert à rien. Pourquoi à rien? Donne-moi ça, mais tu ne sais pas couper de toute façon, toi, Chris. Les gars, votre temps est écoulé, rendez-moi le pic et c'est parti pour le prochain tour. Allez. Oh,
Les gars, vous avez une disqueuse. On va commencer maintenant, on va tout y arriver, on va tout défoncer. Ouais. Une disqueuse, tenez. Ouais, parce que ça c'est un travail. Et pourquoi encore toi et pas moi? Mais oui mec, c'est un travail masculin et je suis un super mec. Et qu'est-ce que tu veux dire par là, imbécile? Ouais, je vais commencer, je suis stage le plus fort, stage le plus débile, qu'est-ce que tu crois? D'accord. Mais ouais, c'est moi la moitié de service. Et ouais, vous allez voir, c'est un travail pour moi. Porte un masque, se protéger le jeu. Ouais, c'est parti. Ouais. Yeah, wow. Comment ça va, les filles? On est en train de gratter nos noms sur le mur d'appareil. Regarde, Maria et Chris. Très bien. Votre temps est écoulé. Rendez-moi le couteau. Bah tiens. On passe au prochain tour. Les filles, vous avez le feu. Le feu. Et qu'est-ce qu'on fait avec le feu? Attention, tenez-le. Ouais. Mario, on a peur. Ouais, moi aussi j'ai peur. Je l'éteins et vous l'allumez vous-même. C'est parti. On ne peut pas se passer du feu. J'ai peur du feu, moi. Moi aussi. Allez, Maria, des portes comme ça, vas-y. Oh mon Dieu, on va brûler. Regardez ce que les gars font en ce moment. Vous voyez à quel point ils essaient de gagner ce défi. Et vous pouvez les aider à y parvenir. Soutenez-les en mettant vos likes, en vous abonnant, mes amis. Parce que les gars, c'est pour vous. Et vous pouvez vous abonner et leur mettre un like. D'accord, les amis? Je peux compter sur vous. Bravo! Stop, stop, stop. Votre temps est écoulé, les gars. C'est terminé, c'est bon. Arrêtez. Enfin, nous avons cassé beaucoup. Mais les gars, il n'y a plus rien. On peut plus respirer, là, maintenant. C'est parti. Les gars, vous avez une hoche. Oh, c'est la troisième fois qu'on a quelque chose de pratique. Oui, oui, on va gagner, c'est sûr. Ok, dis-moi, il est temps de gagner 1000 euros. Et les filles vont perdre. Mais oui, ça va bien, les perdantes, ouais. Les filles sont des perdantes, et on est les plus cons. Et on va gagner, c'est vous parti, allez voir. Allez-y donc. Allez, vas-y, dis-moi, laisse-moi faire, s'il te plaît. Encore? Allez. Yeah. Et voilà, c'est ça, regarde comme ça se casse. Regarde. Les filles, c'est bon. Votre temps est écoulé, rendez-moi tout. Enfin, Rapparion, nous n'en voulions plus du tout. C'est très dangereux. Allez, on va voir ce que vous allez obtenir maintenant. J'aimerais bien qu'on ait du rouge à lèvres, par exemple, parce que Chris a déjà mangé le tien. Oui, ou du vernis à ongles, parce que mes ongles sont à refaire. Ouais, aussi. J'aimerais bien rafraîchir les miens. Vous avez des gants de boxe. Qu'est-ce que tu racontes, Rapario? On voulait du rouge à lèvres et du vernis à ongles. Voilà, tenez. Et nous obtenons des gants de boxe à la place. Je n'en ai aucune idée. Attends, on va d'abord les mettre. Vas-y. Regardez mes amis, j'ai déjà cassé beaucoup de couches. Il me reste une dernière couche et je vais en faire un gros trou. Les amis, vous voyez? On est sur le point de gagner, les garçons. On sort tête. Pourquoi ça ne se casse pas? J'ai vu une vidéo sur le TikTok, c'était beaucoup plus facile. Et oui? Pourquoi nous ont-ils pas donné des gants roses et les rouges ne sont pas sortis? Non, je veux des violets. Je veux des roses. Ah! Aidez-moi, allez, je commence à fatiguer, mec. Allez, je vais conduire pour toi. Plus fort du monde, bravo. C'est bien, ouais. Les amis, vous voyez, nous sommes sur le point de gagner, les gars. On va à toute vitesse. Les filles, on y va. Les gars, votre temps est malheureusement écoulé. Oui, prends ça, quelque chose de bien, hein. Je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose de bien, mais vous aurez quelque chose, c'est sûr. Les gars, vous avez une tête. Oh, Stas, c'est celui-là qu'il te faut. Pourquoi moi, dis-moi? Parce que tu as une tête vide et tu n'as pas de cerveau. C'est pour ça qu'on l'utilise ici. Ok, dis-moi, t'as raison, je suis un peu débile, je sais, ouais. Allez. Ça fait un peu mal, mais c'est bon. J'ai un peu le vertige, j'ai une idée un peu con. Je vais sortir la tête dehors, ok? Hop là, les amis, on est déjà à deux doigts de gagner. Regardez, je vais gagner maintenant, on va y arriver, ouais. Allez, Maria, tu vas y arriver. Allez, hop. Allez. Est-ce qu'on sort d'ici aujourd'hui? Les filles, votre temps est écoulé. Eh bien, s'il vous plaît, rendez-le-moi. Maintenant que je commence à mieux faire Rapario. C'est pas mon problème. Et nous passons au prochain tour. C'est parti.
Allez. Ouais, c'est... Ok, c'est bien. Un marteau, les filles, c'est un marteau. Vraiment? Oui. Vraiment, on va y arriver maintenant. On va y arriver, oui. Regardez, ne frappez pas comme ça. Frappez avec ce côté, c'est une astuce, c'est compris? Nous ne sommes pas aussi stupides que tu le crois, Raffario. Je le savais sans lui. Allons-y. Oh, oh, super, les... Papa! Encore, encore. Allez, on y va. Super, le marteau fait tout seul. Je n'ai pas besoin de vous casser la tête. Je ne regarde même pas ce que je fais. T'as raison, Maria. Continue, ouais. Allez. On perce ce mur, allez. Oh, les copains, j'ai fait un trou dans le mur. Mes amis, je vous vois. Très bien, les amis, le prochain tour commence. Voyons ce que vous obtenez maintenant. Pas une nouvelle tête, j'espère. Et pas les ciseaux, tout ça, ça sert à rien. Oh, une pastèque. Quoi? Une pastèque. Quoi? Qu'est-ce qu'on va faire avec une pastèque ici, les amis, quoi? Je comprends pas. La manger? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Il faut qu'on sorte d'ici. Mais peut-être qu'il y a un outil secret à l'intérieur de la pastèque. Ah, tu crois? Peut-être. Voyons, la voilà, elle arrive, ouais. Regarde. Attention, c'est une pastèque magique. Allez. Regarde, on va y arriver, dis-moi, qu'est-ce que ça va nous faire? Voilà. Stas, la pastèque ne sert à rien, elle nous aide pas du tout, c'est juste une arnaque. Dis-moi, je crois que t'as raison, ça sert à rien, dis-moi, regarde. On l'a cassé, non? Serre-toi, reprenons nos forces. Vas-y, ouais. Encore une bombe. Ils sont fous. Et les filles, votre temps est écoulé, rendez-moi le marteau. Alors... Bah voilà. Et c'est parti pour le prochain tour. Du prime. C'est une boisson énergisante, prime, les filles. Oui, on a juste besoin d'une boisson énergisante. Oui, je meurs de fatigue, je n'en peux voilà. plus. Voilà. Tiens, Chris, prends le rouge de la selle. Merci beaucoup, je voulais justement le rose. Voyons. Juste ce qu'il nous faut, les amis. Maintenant, on va faire le plein d'énergie. Super, mais maintenant qu'on a bu Chris, comment on casse le mur? Avec des bouteilles vides ou quoi? Bien sûr que non, Maria. Nous allons faire le plein d'énergie pour le prochain tour. C'est logique, oui, t'as raison. Tu vois? Les gars, passons au tour suivant. Voyons ce que vous allez obtenir maintenant, d'accord? Quelque chose de pratique, nous avons déjà un énorme trou, encore un outil efficace et on sera libérés. Ouais, on a mangé, on a de l'énergie. C'est une pelle, les gars. C'est une pelle. Oh, c'est incroyable. Ouais, c'est cool. Ouais. Tenez. Hop. Oh, là. Vas-y, frappe. Mais vous allez voir ce que je vais faire. Vas-y. Ouais. Frappe. Vas-y, ouais. Encore. Ouais. Vas-y. Regardez, les gars, j'y passe presque. Regardez. Ouais, encore un petit peu, mais on va y arriver, on va gagner. Vas-y, frappe encore, frappe. Hop. Raffarion, nous avons fini nos primes, nous sommes prêts. Ouais, pas de problème. C'est le prochain tour. Allez. C'est parti. C'est une hache, les filles. Vraiment, c'est bien, c'est génial. Allez, Chris, tu vas y arriver! Et c'est parti! Comme ça? Hein? C'est un peu lourd! Mais ce n'est pas grave! Chris, laisse-moi faire! Oui, tiens! Et Chris, regarde comment elle voit bien faire! Tiens! Tu te débrouilles bien, Maria! Bravo! On va sortir d'ici, Chris, on va gagner 1000 euros! C'est bien! Frappe fort! Salut les copains! On va bien te sortir d'ici! Allez, Stas, frappe, on bat, c'est ça. Très bien. Allez, tu peux, c'est le passé. Très bien, vas-y, on sort. Ouais. Stas, vas-y, pousse. Allez, gros. Pousse. Toi aussi, sors, vas-y, sors. Les amis, regardez comment on fait bien, il reste plus beaucoup à faire, nous sortirons d'ici. Oui, enfin, oui, allez, plus fort, il faut qu'on sorte d'ici. Je fais de mon mieux. Vas-y, Stas, vas-y, sors, allez, plus vite, vas-y, encore, tourne-toi sur le côté, vas-y. Ouais. On a gagné. Les gars.
Allez, salut les filles. On a gagné. J'aime le fric, sachez-le. Salut les gonzesses, on doit tout gagner. Loser. Oh putain les gars, nous sommes coincés dans une pièce de Lego, Et nous devons trouver un moyen de sortir pour aller dans la pièce suivante. Allez Dimo, trouve un moyen de sortir d'ici, vas-y, allez, on va faire cherche. Ouais. Et où est la sortie, Qu'est-ce que c'est? Un énorme bonbon. C'est génial. Ah, j'ai dû halluciner, c'est bon, cherche. Dimo, es-tu sûr que le robot se tenait en même position que maintenant? Je ne sais pas, il semble que non, mais quelle importance, c'est un jouet, tu ferais mieux de chercher toi. Oh Dimo, regarde ça, quelle chaise Lego géniale. Ouais Stas, c'est très cool. Quoi qu'il en soit, il faut chercher à moitié de sortir d'autres pièces. Ouais Dimo, t'es chat, regarde, cherche une sortie, je vais m'asseoir et poser un petit peu moi. Assieds-toi, vilain, toi. Ah, ça se fait. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'était un piège! C'était pas une vraie chaise! Eh bien Stas, c'est une chaise Lego! Comment va-t-elle supporter ton poids? Il est malin ce garçon! Mais qu'est-ce que tu fais toi? Allez, t'es un robot! Un robot Lego ou un robot Roblox? Et Roblox du bas! Où est-ce qu'il y a sous ton masque? Voyons voir! Alors qu'est-ce que c'est, tête de bite? Vas-y, regarde-moi ta gueule là! Derrière, qu'est-ce que c'était, Dimo? Qu'est-ce que tu fais, merde, toi? Dimo, putain! Putain, il est devant moi! Drève en colère! Je ne sais pas, mais c'était très agressif! Dimo, c'était quelque chose! Stas, j'ai trouvé quelque chose! C'est pas une masse? Oh, regarde, c'est une masse! Waouh, qu'est-ce que c'est cette merde? Frappe le mur, allez, voici que ça donne! Il est pas cassé! Non, ouais, ça a pas marché! Il est pas cassé non plus! Et ici, on va... Allez, on va essayer juste là, regarde devant nous, là, allez! Ouais, Stas, frappe ici, juste ici! Sur le côté, allez, sur le côté! Un, trois, un, deux, et trois! Bravo, Stas, frappe encore plus fort! Je vais essayer d'y mort, regarde ça! Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qu'on va faire alors? Stas, tu sais ce que je vais faire? Voilà ce qu'on va faire. Regarde, alors, regarde, mes amis, c'est la sortie. Regardez ça. C'est la sortie qu'on cherchait depuis le début vers la pièce suivante. Stas, casse-la. Je vais derrière. Les gars, je crois qu'on a trouvé la sortie pour la prochaine pièce, le prochain dessin animé. Maintenant, on va tout essayer. Allez, on y va les copains, on y va tous ensemble, allez. Nous y voilà. Dis-moi, regarde. Ouais, Stas, nous sommes dans une vidéo de Bob l'éponge. Mes amis, nous devons trouver un moyen de sortir de cette pièce et de passer dans la suivante, quoi. Ça sera super bien, d'accord? Très bien, allons-y. Mes amis, regardez, l'entrée de cette pièce se fait par la maison du calmar. Wow! Mes amis, regardez, par ici, c'est la maison de Patrick. Vous le reconnaissez, hein? Et vous, les amis, vous regardez Bob l'éponge. Moi, j'adore. Alors, les amis, je suis sûr que nous trouvons l'entrée très rapidement. Allez, Stas, cherche! Dis-moi, où est-ce que tu l'as trouvé? Dis-le-moi. Il faut bien chercher, mais sans rien casser. Ça serait dommage, je pense. C'est normal, quoi. Rien à casser. Dans ce défi, nous sommes tout cassés. C'est tout. Alors, on va te traîner. Non, Stas, mais t'es fou. Non, mais allez, on casse tout, je te dis. Après, on prend ça, là. Mais qu'est-ce que tu fais, là? On fait qu'aggraver la situation. Pourquoi ils sont encore plus difficiles à trouver? Dis-moi, attends, regarde ici. C'est peut-être là-dedans, regarde. Mais arrête de ça, non! Il y a rien du tout, mais attends, ce merde! Peut-être dans la maison du calmar? Ouais, t'as raison! Allez, on va voir! Allez, allez, mais fais attention! Alors, on va peut-être commencer par là, là! Non, merde! Non, pas par ici! Peut-être dans le nez, quoi, là! Ou pas ici non plus, en fait! Non, je pense pas que ce soit là! Mes amis, où pensez-vous qu'il pièce? Regardons les oreilles! Non, pas là non plus. Maintenant, on va faire l'autre. Pas non plus. Putain, peut-être ici le sort. Allez, quoi? Maintenant.
Il n'y a plus rien, regarde là-bas, on va voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Oh, c'est la maison de Bob l'éponge. Vous pourriez pas pousser avant? C'est forcément là, les gars, allez, on va essayer. Allez. Dis-moi, regarde, c'est la vraie maison de Bob l'éponge, quoi, c'est super. Oh, c'est très joli, mais il faut qu'on bouge. Ouais, et moi j'ai une idée de malade, qu'elles sont toute la maison, les copains. Allez, c'est parti. Non, pourquoi nous casser? Il y a une porte. Ouais, dis-moi, c'est vrai, t'as raison, il y a une porte. Ouvrons-la, et maintenant, mes amis, ouvrons lentement cette porte. Lentement, ça va pas, dis-moi, allez. Waouh, yeah, allez. Merde, idiot, allons-y. Oh mon dieu, dis-moi, regarde où nous sommes, putain. Oh, regardez, comme la maison de Bob l'éponge est belle. Regardez ici, c'est le poisson décoratif chez Bob l'éponge. Ouais. Et regardez, voilà, et voici le premier dollars de Bob l'éponge, et voici sa chaise. Ouais, dis-moi, nous voilà sa télé où il regarde des films, quoi, regarde. Ouais, c'est trop bien. Oui, il faut trouver l'entrée de la pièce suivante, mais avec précaution. Ouais, dis-moi, tu as raison. Mes amis, où pensez-vous que Bob l'éponge ait pu cacher les putains de clés? Je pense qu'il les a données à Harry, ouais. Harry, tu es un très bon escargot. Dis-nous où se trouve la sortie de cette pièce pour que nous puissions passer dans la suivante. Ça va pas, dis-moi. Tu parles d'un escargot, là? Stas, pose l'escargot maintenant. Harry est un escargot très gentil, ne le force pas. Comme tu veux, mon petit Dimon, regarde là. Non. On cherche des clés, les gars, on peut les clés, les clés sont pas là. Peut-être ici, là. Non, c'est pas là. Allez, attends, on va y aller. Tu n'aurais pas dû casser ce pauvre escargot maintenant, mon l'éponge, je vais être fâché. Dis-moi, réfléchis logiquement, notre but de sortir d'ici, nous cherchons dans une solution pour trouver une sortie, une clé, ou quelque chose d'autre, quoi, c'est tout, allez, faut chercher, merde. Eh bien, regarde ici, il n'y en a pas. D'accord. De toute façon, mon pote, j'ai l'air à vif, bon, je vais me roser un peu. Oh, qu'est-ce qui va pas avec ces chaises, mec? Les chaises se cachent dans toutes les pièces, c'est chiant, putain, force, j'en ai marre, c'est la merde. Tiens, je vais tout casser de toute façon ici là. Et toi aussi je vais te casser là, regarde. Calme-toi, calme-toi. Dégage-toi aussi, c'est pas. Fais attention, s'il te plaît, tu vas tout détruire. Mais je m'en fous, dis-moi, je m'en fous de tout, putain. Je vais tout casser, je te dis, je te dis. Tu l'as bien mérité. C'est ça, tu feras plus de bêtises la prochaine fois, Stas. J'ai les nerfs à fleur de peau. Je vais tout casser, putain, les clés. Les clés, j'ai bien sûr que ça sonne dans la télé. Arrête. Oh, les amis, regardez, c'est vrai, il y avait une hache à l'intérieur. Ouais. Je vais tout casser, ouais, ouais, trop bien. Mes amis, la seule chose que vous ne pouvez pas casser, ce sont ces casiers. Je vais les détruire, moi, je te dis. Allez, tiens, essaye, toi. Stas. Allez, c'est fort, mon con, viens comme moi. Oh, j'ai tout cassé, putain, mais en fait, ça marche pas, j'ai un peu mal aux os. Stas, regarde ça. Oh, mais c'est quoi, ce truc-là? Tu crois que ça s'ouvre aussi, ça? Allez, viens, on va le casser, je te dis. Ouais, c'était une porte, en fait. Où sommes-nous, allez, dis-moi. On est dans une sorte de cimetière, Stas. Oh, regarde combien il y a de tombes ici. Ouais, Stas, regarde les noms sur les terres tombales. Sur celle-ci, il y a Mr. Adams, et sur celle-là, il y a Lady Adams. Qu'est-ce que ça peut être, les gars? Vous savez peut-être ce que ça veut dire? Moi, je comprends pas ce que c'est. Je sais ce que c'est, Stas. Nous sommes dans la salle de Wednesday. Regardez-moi. Mais le truc, c'est qu'il faut qu'on trouve quoi? Les clés, les gars, comment on sort d'ici? Mais ouais, ouais, faut y arriver quand même, on va y arriver. Ouais, Stas, il faut chercher de partout. Tu as raison, Dimon. Allons voir, peut-être ici, regarde. Combien d'araignées il va y avoir ici? Mais il n'y a pas de clé ici. Pourquoi nous trouver cette clé? Stas, le plus important est de ne rien casser ici parce que c'est un endroit maudit. Merde, mais tu exagères un petit peu. Bonsoir. C'est qui toi, putain? T'es qui? Stas, je sais qui c'est. C'est Wednesday Adams. Que venez-vous faire dans mon monde? Nous ne voulons rien te faire de mal. Nous avons juste besoin de ton aide pour sortir de ce monde. Pourquoi devrais-je vous aider? Dis-moi, mais traite pas avec cette bouffe, on fait ce qu'on veut. Allez, bah, écarte-toi, pauvre con, bah, allez. Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Rien à foutre de toi, allez. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Tu dois bien avoir quelque part ici. Oh,
Stas! Oh, elle m'a niqué la tête, cette conne! Mais puisque je t'ai dit, j'ai pas peur des bêtises! La tête, qu'est-ce que c'est? Je fais la voix, je fais la. Je comprends rien, là! Parce que tu ne respectes pas mon monde! Ah ouais? Mais dis-moi, qu'est-ce qu'on fait maintenant, hein? Toi de me le dire, hein? Ah, j'ai une idée! On devrait, les copains, lui faire sa danse! Allez, Stas! Bravo les gars, vous dansez pas mal. Je vous autorise à chercher tranquillement. Merci beaucoup, hein, merci beaucoup. Très bien, ça cherche, allez. Allez, allez, où est la sortie? Oh, j'ai peur des araignées, mes amis, j'ai très peur des araignées. Dis-moi, laisse tomber les araignées et tout le reste, allons jeter un coup d'œil à l'intérieur, allez, dans le cercueil. Allez, dis-moi, aide-moi. Au secours. Dégage! Tu te connais, arrête de piquer, moi, tiens! Tu connais pas, moi, allez! Oui, il part! Oh, Dieu merci, il est parti! Merci de m'avoir sauvé, Stas! Mais non, rien! Stas, le plus fort! Stas, le plus fort! On va tout sortir maintenant! Ouais, sortir! Mais sortirez, par là! Ou peut-être ici, regarde-moi, c'est la sortie! Surtout, dis-moi, peut-être qu'on a fini, je ne pense pas qu'il y ait d'autres pièces! Allez, on va jeter un goulet! Allez, entre! On est où encore là? C'est reparti, nous sommes où maintenant? Dis-moi, explique-moi, c'est quoi cette merde là? Je crois que nous sommes dans le monde de Spider-Man! Mais comment tu t'en es rendu compte? Parce que Spider-Man passe à la télé! Ah oui, c'est vrai, moi j'aime bien Spider-Man en fait! Stas, reprends-toi, Emma! Il faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici! D'accord, les gars, allez, on va chercher! Mais pas ici! Pas ici non plus! Jette-toi un coup d'œil, quoi! C'est le vrai Spider-Man! Ouais, mais on t'aime toi, mon gros lard! Hé, les gars, allez, arrêtez ce que vous voulez, hein? Bah rien, on aimerait bien rentrer chez nous, c'est tout, et sortir de cet endroit. On ne sait pas où est la sortie! Bon, je pense que vous êtes vraiment très cons, vous! Mais en fait, vous faites ce qu'il faut, et moi, j'aide les gentils, d'accord? Et surtout, ne cassez rien dans cette ville, hein, les gars, ok? Bon, pas de problème, Spider-Man! On t'aime, tu es le mec le plus cool de la planète, ouais! Bon, allez, c'est bon, les petits gars, maintenant, vous pouvez y aller, et puis toi, arrête de pousser. Beaucoup, allez, c'est bon, ouais! Putain, ouais, c'est cool, Très bien, Spider-Man. C'est le meilleur, hein. Qu'est-ce que vous faites ici, là, hein, petit gars, hein? Qu'est-ce que vous faites au moment, bordel? On cherchait juste un moyen de sortir d'ici. Un moyen de sortir, hein? Attends, Stas, on n'a pas d'autre solution. Il faut le désarmer. T'as fait mon petit ressort d'ici là, tiens, allez hop, allez, où ça? Allez, j'ai gagné. Ouais, bon. Bravo, Stas, tu as réussi. Ouais, t'es qu'une merde. Ouais, mais bon, t'inquiète pas, je suis plus fort ici. Allez. Partout. Qu'est-ce qui s'est passé, Stas? Qu'est-ce que t'as trouvé? Oh, mais. Mais jamais rien dit ce que j'ai trouvé. Attends, on va tout détruire, on va tout niquer. Allez, je suis sûr qu'on va réussir à faire. On va tout péter là, et puis ça va ouvrir, et puis on va ouvrir la pièce. C'est peut-être la sortie, je te dis. C'est la sortie. Oh mec, c'est quoi ce monde à la con là? Regarde-moi ça. Dès que je pense que nous sommes dans une autre planète, Dimo. Ouais, Stas, nous sommes dans le monde d'Avatar. Ouais, Dimo. Oh, regarde là-bas. On va pas te faire de mal. On veut juste sortir d'ici, s'il te plaît. Non. Dis-moi, est-ce qu'elle nous a compris, hein, ouais? Écarte-toi. Nous sommes les gentils et nous voulons partir. Comment nous pouvons quitter votre planète? Dis-moi, je pense pas qu'elle veut nous aider. Et je vais tout casser ici, ouais, aussi. Allez, bye bye. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je vais tout casser là, regarde! Je vais tout casser, ouais! Non! Je vais tout détruire, t'as vu? Où sont les clés? On va continuer à tout casser! Je vais tout casser!
Non, non, non. Je me fiche de non. tout. Je suis grand gros con. Non. Ah, regarde, je vais tout rester. Je tout nickel. Non. Tout nickel. Je dis, Ouh. Oh, regarde ce que j'ai trouvé, mec. Oh, merci, waouh. C'est super, vraiment bien. C'est trop bien. Je suis trop content. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Dis-moi, quelque part par ici. Allez, frappe-le, casse-le. Casse-le. Bravo, Stas, continue. On sort maintenant. Enfin, les amis, on a trouvé une sortie, je vous assure, c'est trop cool. Et nous sommes libres. Nous sommes sortis, mes amis. N'oubliez pas de vous abonner, hein, ou pas. Et cliquez sur la cloche, mes amis.